Alors, je suis arrivée dans l'immobilier un peu par hasard, comme la plupart de mes confrères. Et j'y suis restée d'une, par passion, et de deux, vraiment pour aider les gens et pour changer l'image de l'agent immobilier, qui a une image quand même assez ternie en France. Quand j'ai su que Cynthiana, du coup, bossait en fait, dans le secteur de l'immobilier, ça m'a semblé en fait évident du coup de l'appeler, de reprendre contact. Je suis étudiante dans l'immobilier et j'attaque ma troisième année à la rentrée. Et donc j'ai postulé, c'est Cynthiana qui m'a contactée pour l'agence Vend le bien. Donc je commence à la rentrée avec elle. Je suis dans l'immobilier, ça va faire 6 ans quasiment. J'ai commencé en tant que mandataire pour un réseau et en fait l'évolution, dès que j'ai commencé, j'avais en tête de monter ma propre structure en fait pour pouvoir être complètement libre et accompagner vraiment mes clients comme je le voulais, avec les moyens que je voulais et faire une agence à mon image et en plus dans mon village. Parce que je voulais vraiment en faire un lieu de vie. Vend le bien est né, c'est né dans ma tête, tout simplement. Depuis le début où j'ai commencé l'immobilier, donc depuis quasiment 6 ans, j'avais toujours eu cette envie de créer ma propre structure avec mes valeurs, ma manière de travailler et de créer vraiment un lieu de vie en fait pour les Stéphanois, puisque Vend le bien est situé à Saint-Étienne-de-Tulmont. Au rond-point pour ceux qui ne le situeraient pas. Moi, je suis quelqu'un qui apporte aussi beaucoup d'importance vraiment aux rapports humains. Je vais mettre un point d'honneur vraiment du coup à essayer d'apporter aux clients que j'aurai la chance de rencontrer toute mon aide, du mieux que je peux. J'y mettrai toute ma passion, puisqu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un métier qui me passionne particulièrement, que j'aime vraiment beaucoup. Donc ce sera en fait vraiment, c'est ça, de les aiguiller, de les épauler, de leur apporter des réponses, de faire en sorte de les accompagner en fait dans leur projet de vie, que ce soit pour la vente d'une maison, parce que je sais que c'est parfois pas facile de se séparer d'un bien aussi quand on y a vécu beaucoup de choses. Je souhaite que les clients soient à l'aise avec nous, qu'ils aient confiance en nous de A à Z, parce que c'est important aujourd'hui, le marché de l'immobilier est assez tendu, il y a beaucoup d'agences immobilières et il faut se démarquer et avoir la confiance des clients, c'est primordial. On va s'occuper donc de la transaction, donc de la vente d'immeubles, fonds de commerce, maisons individuelles et d'ici début 2023, normalement, on va développer l'activité gestion avec normalement Émilie qui nous rejoindra et que je vous présenterai un petit peu plus tard du coup. Vend le bien aujourd'hui, c'est une agence à Saint-Étienne-de-Tulmont qui ouvre le 1er septembre pour ceux qui ne le savent pas. Vend le bien dans 2 ans, j'espère que, mais normalement oui, elle devrait avoir des frères ou des sœurs pour qu'on soit encore plus nombreux avec mes collaborateurs pour vous apporter satisfaction dans vos projets immobiliers et pour vraiment créer des lieux de vie en fait, dans les villages où on va s'implanter. On a accès à diverses formations, que ce soit des formations en ligne, des formations aussi du coup, voilà, après en direct. Moi j'ai déjà vu des choses avec Cynthiana qu'on va mettre aussi, qu'on fera aussi voilà, du coup, par la suite. Et puis après, le support aussi de travail, j'en reviens un peu au même, mais en fait c'est aussi un peu Cynthiana. C'est vrai que Cynthiana, c'est ce que je disais, c'est un vrai moteur, elle est hyper dynamique, voilà, c'est une vraie pile, hein, elle vous aide aussi voilà, dans votre boulot tous les jours si vous avez une question, une interrogation. Donc voilà, Cynthiana fait aussi partie presque, j'ai envie de dire, c'est vrai, des supports, parce que du coup, elle aide au quotidien. Voilà. Cynthiana utilise beaucoup les réseaux sociaux, pour nous faire connaître, partager les biens. C'est vrai que c'est assez original parce que j'ai fait d'autres agences et les réseaux sociaux, c'était pas très très développé. Donc c'est un nouveau challenge aussi pour moi de commencer sur les réseaux sociaux avec Cynthiana et je la remercie. Notre priorité, bien évidemment, c'est la satisfaction du client. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille à 90% en exclusivité. Parce que c'est le meilleur moyen pour arriver à ce que vous attendez de nous, donc à vendre votre bien, au bon prix surtout. Et je pense qu'aujourd'hui, on a plus de 90% de nos clients qui sont satisfaits de nos services. Et la satisfaction client, on vient aussi essayer de vous l'apporter en mettant chaque jour de nouvelles technologies au service en fait, de vos maisons, de vos biens.
et notamment la prochaine qui arrive, enfin vous allez début septembre là, c'est une visite virtuelle très très haut de gamme qui n'existe pas sur le Tarn-et-Garonne. Aucune agence du Tarn-et-Garonne n'a ce type de visite virtuelle, donc il me tarde vraiment de vous la présenter.